résistance, ça va être le refus de la situation injuste qui est faite à la Côte d'Ivoire, qui explique qu'aujourd'hui nous soyons devant vous, qui explique que hier, avec vous, tous les autres camarades ont été libérés, qui explique qu'avant-hier, Diabaté Bey et d'autres camarades ont pu bénéficier d'une mise en liberté. Et c'est cette mobilisation qui expliquera demain la normalisation en Côte d'Ivoire, la libération de tous nos camarades qui sont encore détenus, le retour des îles de tous les camarades qui sont obligés de fuir leur propre pays, et le retour parmi nous du président de Laurent Gbagbo.